Donc, pour la question 20 euh, de l'examen CLAD 1, donc on nous dit que la valeur 1 est câblée au terminal d'entrée timeout de la fonction supprimer le premier élément d'une file d'attente, donc pour aller chercher le premier élément d'une file d'attente. Euh, pendant l'exécution du VI, combien de temps la fonction supprimer le premier élément d'une file d'attente attend-elle de recevoir des données? Euh, donc en fin de compte, euh, on peut aller voir euh, le VI ici, et je vais avoir ici donc supprimer le premier élément d'une file d'attente. On peut aller voir que par défaut, si... Une constante, on a même moyen. Et en fait, si on met rien, donc la valeur par défaut, c'est "-1", qui va être là. Donc quand c'est "-1", on attend de façon euh, indéfiniment. Donc euh, on attend tant qu'il n'y a pas de données. Le, le programme est bloqué sur cette fonction-là, juste à ce qu'on ait des données. Euh, donc c'est indéfiniment. S'il y avait eu euh, rien ou la valeur par défaut. Donc si on connecte pas, c'est la valeur par défaut moins "-1", On n'attend pas. Si on, on connecte, puis on met 1 on va attendre une milliseconde. C'est le cas ici, fait que la bonne réponse c'est une milliseconde. Euh, on peut aller le voir directement dans, dans l'aide contextuelle. Là. Ici, dans l'aide contextuelle, on voit le timeout en millisecondes, donc c'est 1. Si on voulait attendre une seconde, on aurait dû mettre 1000 millisecondes. Mais dans ce cas-ci, on a mis seulement 1, euh, un, donc une milliseconde. Donc le VI va attendre une milliseconde. S'il n'y a pas de données qui sont disponibles à la l'attente, d'attente, le, le programme va continuer. C'est quand même euh, euh, important de de faire attention à la valeur de time qu'on met. Nous, quand on le fait euh, le gestionnaire de fil d'attente, euh, donc ce qu'on qu faisait avec la, le gestionnaire de fil d'attente, mais qu'on faisait le, le modèle producteur consommateur, on mettait en général aucun time donc on mettait l'équivalent de moins On attendait de recevoir les données de façon euh, indéfinie.